Quel est votre niveau en course? C'est ce qu'on va noter aujourd'hui. Vous m'avez envoyé vos meilleurs clips en course par mail et sur Discord. Et aujourd'hui, c'est l'heure de faire le juge et donner des notes. Bien sûr, à la clé, vous aurez des récompenses pour les participants les mieux notés. Le top 3 aura donc 200 millions de crédits pour le premier, 150 millions de crédits pour le deuxième et 100 millions de crédits pour le troisième. Pour les prochaines éditions, vous pouvez m'envoyer vos clips par mail à l'adresse mail qui se trouve juste ici. Vous pouvez également les mettre sur Discord, mais ce sera en moins bonne qualité. Privilégiez la qualité plutôt que la quantité ou la rapidité. Vous avez un mois pour faire tous vos clips. Prenez votre temps. Le thème de cette semaine, du coup, comme vous l'aurez bien vu, c'est les meilleurs clips en course. Ça peut être des clips fun, des clips what the fuck, des fails, des trucs magnifiques. On va aller voir ce que la commune nous a préparé. Il y a plein de clips à mater. C'est parti. Alors là, accrochez-vous bien parce qu'on arrive sur une petite pépite de Matteo. Regardez-moi ce clip. On est encore une fois sur Need for Speed parce que vous avez avec ce jeu-là. Mais là, on est sur Unbound en tout cas cette fois-ci. Et on a un petit montage qui est plutôt bien fait. En plus, un petit montage aux petits oignons qui fait bien plaisir. Là, on va retrouver une camionnette qui est complètement debout, du coup. Alors que fait le camion complètement renversé et debout en plein milieu de la course? Ça, franchement, j'en ai absolument aucune idée, mais le montage est vraiment pixel. Un grand bravo à toi. Là, pour ça, je suis obligé de te mettre au moins 7,5. Grand bravo encore une fois. Le prochain clip, c'est celui de IcParQL. Il arrive sur, encore une fois, Need for Speed, et ça fait plaisir d'avoir d'autres clips. Il est en course avec une Porsche et il va nous faire un semblant d'accident de ce que j'ai pu voir, avec le gros camion qui va traverser la route, il va s'exposer contre le lampadaire. Et ça nous fait donc un accident vraiment pas mal. Bien joué pour ça. Franchement, c'était plutôt drôle. Donc pour ce clip là, je vais te donner la note de 6,5 sur 10, bien joué à toi. On arrive maintenant sur deux clips de Ultimo CC qui ont l'air vraiment pépites, je sens qu'on va se régaler. Alors la première fois, on est bien sur une course, donc là il n'y a pas de soucis, ça marche vraiment au niveau du thème. Et donc avec la petite Abarth, il va essayer de prendre le virage, il y a déjà son pote qui va pas mal le déranger. Bon, même si t'as pas pris super mal le virage, j'avoue que ton pote aurait peut-être pu faire un petit effort. Là on arrive sur un nouveau virage, il y a pas mal de gens derrière toi, en plus de ça, tu te loupes un peu. Il est arrivé comme un pélican, il s'est bouffé là. Oh merde. Oh, c'était si violent. En plus, on voit qu'il y a les deux potes sur la mini-carte qui sont mangés l'arbre. Oh, c'est terrible. Oh, c'est vraiment dur. Pour le premier clip, du coup, je mettrais un petit 6 sur 10. C'est pas mal, mais bon, ça aurait pu être encore plus impressionnant avec des backflips par exemple et tout. Bien joué en tout cas. Et pour ce qui est maintenant du second clip, on est du coup sur le DLC Red Adventure. Et ça change un petit peu. Il va prendre un énorme saut dans une course et se faire monter dessus. On va dire ça comme ça. Bien sûr, sans Forza, hein, mais il va se faire un petit peu rouler dessus par un bot en plus de ça. Bien joué au bot. Mais en vrai, c'est masterclass. Ça, c'est vraiment random. Ça arrive quand même assez souvent, mais c'est tellement drôle, la physique de Forza parfois, comme c'est foutu. Et pour ce second clip avec le bot qui te monte dessus, je vais dire un 7 sur 10. Celui-là est quand même plus drôle. Le prochain clip arrive et c'est celui de Onyx. Et j'ai l'impression qu'on va avoir droit à une masterclass. Regardez-moi ça. On est donc sur The Crew Motorfest et ça, ça fait plaisir. Bon, malheureusement, la qualité, c'est pas trop ça. C'est dommage. S'il vous plaît, envoyez vos clips par mail. C'est vraiment mieux pour la qualité. Donc, il est dans une course en multijoueur en plus de ça, et il va pour l'instant plutôt pas mal s'en sortir. Il se fait bump dans tous les sens. Oh non, le pauvre. Dites-vous, c'est une course en multijoueur en plus de ça, il se fait pousser 40 fois par tout le monde, voilà le carambolage. Bon, sa course est foutue, voilà, sa course est foutue littéralement. En plus, il dit spoiler, j'ai quitté la course après ça. Tu m'étonnes, c'est tout à fait compréhensible. Non, en vrai, le clip est vraiment une masterclass, rien que pour ça, et les 40 fois où tu te fais pousser par les ennemis, c'est un gros 8,5 sur 10 qui part. Bien joué, enfin mal joué ou bien joué à toi en tout cas. Dans ton malheur, t'as eu un petit peu de bonheur avec cette jolie note, et du coup, logiquement, t'as presque un podium assuré, j'ai envie de dire. Nous voilà de retour sur The Crew Motorfest, il est avec une jolie Porsche en plus de ça, petite course tranquillement au bord de la mer, et c'est donc Aventador Bébé qui nous fait ce clip. Il va drifter à la fin. Wow, il a failli perdre. Wow, la folie, j'aurais été dégoûté. Imaginez juste qu'à la fin il perde la course à cause de son dérapage et que le bot arrive à le dépasser à la fin. Wow, ça aurait été terrible. Mais c'est vrai que ouais, le dérapage ça freine beaucoup sur The Crew Motorfest, et ça a été le cas ici. T'as eu de la chance. Et pour ce petit coup de bol et cette arrivée qui t'a bien fait peur, je pense, ça va être un joli 7 sur 10, je pense. Le prochain clip nous vient de Supokill, et il me semble qu'il fait partie d'une des team de drift sur le jeu, et effectivement ça se voit. Alors oui, on est bien en course, on peut voir qu'il est même premier actuellement, je demande comment il fait ça, et c'est tout simplement le go du drift. Non, mais regardez-moi ça, ce level, c'est juste une dinguerie. Même petite vrille comme ça tranquillement au niveau du rocher, alors prévu pas prévu, en tout cas ça fait beaucoup trop stylé. Le clip est juste trop impressionnant. Alors bon, on sent que tu fais plus du drift que de la course quand même, donc c'est moitié dans le thème, on va quand même l'accepter parce que ton clip est juste gotesque. Mais franchement, un gros GG à toi. Le niveau affiché est juste dingue, donc un grand GG à toi. Ça lui prend quand même pas mal de temps d'apprendre à drifter comme ça. Un grand bravo, et je pense que pour ça tu mérites largement un 8,5 sur 10 aussi. Le clip est absolument incroyable. Voici maintenant le clip de Trex. On commence à le connaître, c'est un habitué maintenant des concours clips. Encore une fois, on est sur du drift en course, donc là ça marche encore au niveau du thème, même si c'est un peu limite. Mais regardez-moi ça, les virages qui
prend. Waouh, non mais c'est juste incroyable le niveau que vous avez. Je pense qu'on se fera un concours clip en mode drift V2, je pense, parce que vous avez beaucoup trop de talent au niveau du drift et vous avez beaucoup de choses à me prouver, je pense. Donc pour ce clip de drift en course absolument incroyable avec des virages pris à la perfection, je te mets encore une fois un joli 8, je pense. Il y a un petit peu moins de drift que sur le clip précédent, mais il est tout aussi impressionnant, bien joué. Alors là, on est sur un clip de jeune papa Noël qui est juste délirant. Il est en course avec sa Sesto, il va prendre ensuite un joli virage assez serré et vous allez voir, la suite appartient à l'histoire. Il loupe complètement son virage et finit par prendre les rails du train qui sont juste à côté. Non, c'est délirant. Non mais attendez, comment c'est possible d'en arriver à louper son virage et en faire finalement un clip juste grotesque? T'es trop fort en vrai, mec. Non, en vrai, ce virage est vraiment validé par les plus grands de l'histoire. Bien joué, un gros GG à toi. Et pour ce clip un petit peu random mais quand même vachement drôle, je te mets un 7,5 sur 10, bien joué. Le prochain clip, c'est celui de The Noob. J'ai quand même envie de le voir parce que c'est un clip en mode éliminator et ça change un petit peu. Il est donc avec la Ford Focus RS RX, donc il est vraiment pas mal. Et il va passer en plein milieu de l'espèce de porche, de balcon là, qui est au niveau des petites maisons en bois un peu partout sur la map. Franchement, bien joué à toi, pas mal de chance, c'est ce qu'il faut dans ce mode de jeu en tous les cas, hein. ça aide énormément pour gagner sa course. Et d'ailleurs, en parlant de course, c'est vrai qu'il était en plein duel, donc oui, ça rentre parfaitement dans le thème. Et il est dans un duel, donc en course, dans le mode éliminator. On va donc retenir du coup le clip, bien joué à toi. Bon, c'est un clip un petit peu random, donc un 6 sur 10, c'est déjà pas mal, mais bravo. Nous voilà présents avec les clips envoyés par mail, et cette fois-ci, c'est Build Up. On se retrouve sur Dirt Rally 2.0, et ça fait plaisir, première fois que je vois ce jeu. Et il y a un énorme crash avec différentes POV, en plus, ça c'est vraiment sympa. L'avantage des autres jeux, c'est qu'on peut souvent faire ça. Le crash est vraiment bien réalisé, pas mal du tout, bien joué pour toutes ces petites vrilles. Les POV sont pas mal, le crash est pas mal, ça se voit que t'avais un petit peu de temps également pour faire les caméras, donc bien joué, très beau travail de ta part. C'est moins impressionnant que certains clips qu'on a pu voir, mais bravo, un joli 7,5 sur 10. Nouveau jeu qu'on avait encore jamais vu jusqu'ici, c'est Black Bear Rider qui nous propose un clip sur Assetto Corsa en vue première personne avec un joli tour où il va dépasser plus de 5 personnes. Alors le clip est assez long, il dure en plus d'une minute, donc je vais pas pouvoir tout vous mettre, mais en tous les cas, le clip est vraiment sympa, la qualité également est au rendez-vous. Un grand merci à toi. En tout cas, le clip change un petit peu, il y a du niveau, bravo à toi, je vais te donner un joli 6,5 sur 10. On arrive maintenant au clip d'Alexis Roas, un habitué maintenant, et regardez-moi ce clip. Aïe aïe. Retournez. Vous êtes complètement dingue les gars. Je sais pas si c'est malaisant, si c'est drôle ou c'est gênant, je sais pas. Mais en tout cas, bah bien joué à vous en tout cas. Bien joué pour ce petit clip assez drôle. Je vous mets un 6 sur 10. Nous revoici maintenant sur Assetto Corsa avec le clip de Gabify. Et on est sur un clip juste délirant. La rapidité du clip est juste dingue. Regardez-moi ça. La caméra, la vitesse à laquelle ça va avec les Formule 1 et tout. L'effet d'immersion est juste absolument dingue. Je suis vraiment fan. J'ai vraiment trop kiffé ce clip. Donc bravo à toi pour ta concentration, pour tes réflexes et tout, parce que je pense que c'est pas du tout facile à contrôler et à réaliser. Donc un grand bravo à toi et un joli 7 sur 10. Et enfin, on termine en beauté avec Leash, le dernier clip qu'on va voir aujourd'hui. On est sur Forza Horizon 4 et on est en éliminator. On est d'ailleurs sur la fin de l'éliminator parce que c'est la finale. Il reste que 4 pilotes restants. Il a une voiture niveau 2 avec la Golf toute petite, toute pétée, et là derrière lui une voiture niveau 10, et il va quand même finir par gagner l'éliminator en ayant une Golf niveau 2 contre une voiture niveau 10. C'est absolument titanesque l'exploit qui a été réalisé. Bravo à toi, c'est vraiment impressionnant. Je sais pas combien d'essais t'as dû faire pour arriver à un tel résultat et un tel clip, si c'était voulu ou pas forcément. D'ailleurs, on a vu pas mal d'éliminators et ça, c'est plutôt cool, ça fait plaisir. D'ailleurs, pourquoi pas un futur concours clip au niveau de l'éliminator. En tout cas, pour ce clip, c'est un joli 8,5 voire 9. Allez, en tout cas, c'est le premier des 8,5, ça c'est sûr, bien joué. Donc, au final, pour le classement des clips de cette semaine, le troisième clip, c'est celui de Supokill, le clip de drift slash course. C'est pour ça que je l'ai mis à la troisième place, étant donné qu'il y avait une égalité avec le second clip à 8,5, mais j'ai mis celui-là parce que vu qu'il y a pas mal de drift, c'est pas non plus au top du top au niveau du thème. Quoi qu'il en soit, ton clip est absolument grotesque, t'es vraiment trop fort en drift, un grand bravo à toi, ton clip était magnifique. Le second clip de ce concours est simplement celui de Onyx, qui lui cette fois-ci est bien en course. Il avait lui aussi du coup eu la note de 8,5, mais il est classé un tout petit peu mieux, en tout cas juste avant le précédent. Son clip avec sa Jesco en course multijoueur, où il s'est fait juste
poussé dans tous les sens par les ennemis avant de quitter la course complètement, chose que je comprends encore une fois. Grand bravo à vous deux pour vos clips. Et pour terminer, le numéro 1 pour aujourd'hui, c'est Leash avec son clip en éliminator, en finale d'éliminator. Avec sa toute petite golf niveau 2, il va réussir à gagner face à une voiture niveau 10 sur Forza Horizon 4, un jeu qui est bientôt terminé, on peut le dire. Donc ça fait plaisir aussi pour le côté nostalgique et ça fait plaisir de voir autre chose que du Forza Horizon 5. Pour les gagnants, n'hésitez pas à venir en contacter sur Discord. Sachez qu'en ce moment, il y a une grosse vague de ban au niveau de la salle des ventes. Je vous invite à aller voir la vidéo explicative. Mais du coup, pour passer les crédits, je pense qu'on va attendre le mois d'août avant de faire toutes les donations de crédits parce que sinon, ça peut peut-être créer des petits soucis. Je pense que c'est mieux pour tout le monde d'éviter la salle des ventes en ce moment. Nous, on se donne rendez-vous d'ici un mois pour le prochain concours clip. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord pour avoir le lien et tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir y participer et tenter votre chance de pouvoir gagner des millions de crédits et un passage en vidéo. Moi, je vous salue. N'hésitez pas à liker, partager et commenter si ça vous a plu. À plus tout le monde.